Mesdames, messieurs, bonjour. Merci d'être une fois de plus fidèle à notre antenne pour suivre ce match. Je suis en compagnie de Franck Sauzet, comme toujours. Ils sont bien les nouveaux micro-casques, non? Ouais, c'est vrai. Ils sont plus légers, quoi. Le micro me paraît mieux placé. Par contre, ça me gêne un peu au niveau des oreilles, comme j'ai des grandes oreilles. C'est ça. Les problèmes dédicacés le vôtre. Avec plaisir, un grand plaisir. Au marqueur ou Oui, belle affluence aujourd'hui alors que l'arbitre donne à l'instant même le coup d'envoi de cette rencontre. Faute, carton peut-être. Ah, il fallait dégager ce ballon qui traînait. Ah, ça revient dans les pieds de l'adversaire. Ça peut être une bonne touche là. Est-ce que c'est un bon? Finalement, l'arbitre signale un hors-jeu. Kader Mangane. Jérôme Leroy. La charge. Oh, que c'est brouillon tout ça, mais enfin, ça donne de l'air. Attention à ne pas commettre de faute. Allez, ce sera une touche à suivre. Zodic. Gary Bocelli. Marvaux. Zadic. Ah, il veut jouer le ballon. Un très bon tacle. Gary Bocelli. Jeune chance. Suleiman Camara. Ouais, ce sera une touche, mais ça aurait pu être un corner. Oh, c'est un centre à mi-hauteur. Oh, quel joli tir! Oh, il y est! Oh, première occasion, premier but, c'est impressionnant. Ouais, ce genre de tel ne laisse pratiquement aucune chance au gardien de but. Ouais, bah, c'est pas mal pour la partie, ça va la débloquer d'entrée avec ce but marqué à la première minute. Une petite charge. Marvaux. Kader Mangane. Stéphane Dalmatin. Jérôme Leroy. Attention à ne pas commettre de faute. Le ballon change de camp. Bon jaillissement sur cette passe. Il est à la lutte. Attention, ne pas commettre de faute. Il essaie d'intervenir. Ouais, bien taclé, mais c'est pas fini. Jérôme Leroy. Il va essayer de reprendre ce ballon. Et il le récupère finalement. Il faudrait peut-être venir en soutien pour l'aider. Le ballon récupéré par le Stade Rennais. Intervention. Jérôme Leroy. On va peut-être faire venir les soigneurs. Jérôme Leroy. La charge. Ce ballon est perdu. Allez vite, le tacle glissé.
Montagno va essayer de reprendre ce ballon. Gary Boccali. C'est bien donné dans le bon tempo. Il intervient. Et le ballon qui change de camp, magnifique. La charge. Le ballon récupéré par le Stade Rennais. Attention à ne pas commettre de faute. Giroud. Ah, il veut jouer le ballon. Jeune chance. Le ballon récupéré par le Stade Rennais. On va passer précise cette passe. Gary Boccali. Avec lui, Franck, on peut s'attendre à quoi? Je dirais que c'est le genre de joueur qui aime se porter vers l'avant et qui a parfois légèrement tendance à oublier de revenir sur les contres. Montagno. Marvo. Ah, attention à la retombe. Ça donne de l'air et ça soulage. On a un dégagement qui ne profite pas. Oh, ça ne doit pas passer bien loin. Gary Boccali. Attention. Ah oui, c'est très net. Coup franc. Le ballon récupéré par le Stade Rennais. Montagno. Ouais, cette passe n'aboutira pas. Bien joué le défenseur. Une petite charge. Montagno. La charge. Montagno. C'est dégagé de la tête. Non, pas si bon que ça, ce dégagement. Attention, ne pas commettre de faute. Le ballon récupéré par le Stade Rennais. La charge. Giroud. Il est à la lutte. Alexander Tété. Yann Villa. Stéphane Dalmat. Il essaie d'intervenir. Ah, il semble touché. Hein. Souleymane Camara. Il vient lui subtiliser le ballon. Et finalement, il peut se relever et reprendre sa place. Ah, on a eu peur un peu, hein, mais ça a l'air d'aller. Il va essayer de reprendre ce ballon. Le ballon récupéré sur cette intervention. Jérôme Leroy. Kalabic. Intervention. Ouais, c'est propre ça. On jouera 2 minutes en deux temps additionnels. Ah, pas facile, hein, cette passe en profondeur. Ah, il y va Franco. Ah, il ne peut maîtriser ce ballon. Alors, touche longue, touche courte. Charge. Marvo. Oh, l'arbitrage à l'anglaise là. Il intervient. C'est fait. Et c'est la pause. Mi-temps. On n'a vu qu'une première mi-temps assez terne en ce qui concerne le score. Et ce match reste complètement ouvert, c'est ce qu'il faut se dire pour être positif.